Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Nier Automata, sur la version finale. On va se lancer tout de suite. On va pas faire une vidéo trop longue parce que je vous avais déjà fait une vidéo sur la démo. Donc si vous voulez en voir plus, il y a la vidéo sur la démo ou éventuellement vous pouvez la télécharger vous-même de votre côté sur le store et essayer vous-même. Mais du coup, on va se découvrir un petit peu le début de l'aventure là. Mais on va pas faire trop long. Déjà parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le jour de la sortie du jeu, donc le 10, mais il est quasiment minuit. Donc je suis un peu crevé avec la semaine de boulot, et puis parce que je veux pas trop vous en montrer non plus. Ah, fallait que j'appuie, je croyais que c'était un chargement. On aurait pu attendre longtemps. On peut faire plusieurs sauvegardes, visiblement. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Games. Ah, j'ai pas envie de... Non, on va mettre mon prénom. Allez. On va se dépêcher. Ouais, on peut faire plusieurs sauvegardes, plusieurs parties. On va mettre en normal pour les bienfaits de la vidéo, on va dire. On va dire ça comme ça. Et lancer la partie. Donc la démo, je sais pas du tout à quel moment du jeu elle se passe. Hein. Je sais même pas si c'est le début ou pas. Donc si c'est le début du jeu, bon bah, c'est un peu mort, on va revoir la même chose, quoi. Mais je crois pas, hein. Non. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. On va peut-être voir une phase de jeu différente comme ça de la démo. Comme ça, je vous aurais fait vraiment, entre guillemets, un petit bilan complet de découverte du jeu, de phases de jeu différentes. Après, c'est par un test, évidemment, donc... Alors, il y a eu un... Vous n'avez pas le droit d'effectuer cette opération, c'est parce que j'ai essayé d'appuyer sur R2 ou quoi pour voir si on pouvait tirer. Donc ouais, c'est bien comme ça, on va avoir des phases différentes un petit peu. Ce sera un bon complément à la première vidéo que j'avais faite, comme ça. Ah. Oh putain. Là, ça fait un peu Manic Shooter. Bon, ça va être en plus facile, certainement, hein, parce que les Manic Shooter, c'est quand même un peu violent. Et puis, comme dans la démo, il y a une musique énorme. Hein. En fait, c'est quand même un truc à la base que je connaissais pas. J'ai pas fait le premier, qui visiblement va ressortir sur PS4, je crois, cette année. Et j'ai testé la démo de celui-là par curiosité, et en fait j'étais tombé amoureux pendant la démo de ce jeu, clairement. Des musiques, et voilà, et je me suis dit, putain, ça a l'air vachement bien quand même, et... Voilà, c'est encore différent, là, le gameplay, dis donc. Ouf, je fonce moi-même dans les boules. On va pas y arriver. Bon, là, je suis un petit peu moins convaincu, là. Là, je trouve ça moins maniable. Là. Enfin, après, c'est une question d'habitude aussi. Je pense que quand j'aurai pris le coup de main, ça ira mieux, mais là, je trouve ça moins... un petit peu moins facile à prendre en main. Comme ça. Understood.
Oh. Je vais crever là. Oh putain. C'est vraiment sympa comme phase. Puis voilà, on a toujours l'alternance de caméra, comme on avait vu à pied dans la démo, caméra 2D, 3D, enfin, il y a vraiment une alternance. Du coup, c'est plutôt sympa. Je trouve, en fait, moi je trouve ça vraiment sympa dans la mise en scène et tout, toute cette alternance de caméra. On gagne des niveaux, donc tout ça on n'avait pas pu voir, peut-être qu'on pourra voir là. On n'avait pas pu voir s'il y avait des compétences, tout ça, il me semble dans la démo qu'on pourrait... Enfin, j'avais pas pu voir ça. Oh putain. Par contre, des fois, je suis un peu perdu, hein. Ouah, j'ai plus de mal comme ça. Je me fais plus toucher par les bouboules comme ça. Voilà, bah alors là... Je vais mourir, je suis coincé. Et ouais. J'étais coincé. Ah, on avait peut-être pas le choix, ça se trouve. Oh, ça m'étonnerait quand même. Bah écoutez, je sais pas. C'était très bizarre. C'est vraiment histoire de dire on se fout bien de ta gueule mon pote parce que t'es mort à un endroit où normalement t'aurais pas dû crever. Peut-être. Non, c'est une blague là? On reprend là. Oh. Ils ont pas fait cette blague quand même. Everything that lives is designed to end. Oh. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or oh, il déconne, il faut tout recommencer. Bah écoutez, je vais couper là. Et puis je reprendrai à la suite directement parce que là bon, on se reprend là, voilà. Je viens de tuer le machin qui m'a buté juste avant. On se retrouve juste ici. Ah, et là, en fait, on arrive où la démo commençait. Je crois bien. Ouais, on arrive où la démo commençait. Bah, en fait, on va pas aller spécialement plus loin, hein. Écoutez, ça fait une petite vidéo, hein, clairement, mais... Mais ça, après, si vous voulez voir ce que ça donne, il y a la démo, hein, la vidéo de la démo. Où j'ai fait exactement ces phases là donc du coup bah, ça m'embête un peu de vous remontrer la même chose donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble après comme ça on aura vu deux phases différentes, vous aurez vu une première phase la première phase de vaisseau et puis là une phase à pied et puis voilà hein. Il court vite lui. Plus vite que toi mon pote. Et puis moi tu vois je peux tirer. Ouais c'est exactement ça en fait. Ça se passait avant. Not quite. Ouais, bon bah écoutez.
Du coup, ce fut une vidéo très très courte, hein, mais je vais pas vous remontrer ce qui se passe au début du jeu, puisque je l'ai déjà fait dans la démo. Je vais pas faire deux fois la même vidéo. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Écoutez. Puis on se retrouvera dans quelques jours pour une autre vidéo. J'ai beaucoup de mal, je suis concentré, j'ai beaucoup de mal à discuter en même temps avec ce jeu. Et on se retrouvera dans quelques jours, j'ai une autre vidéo en préparation qui du coup devrait peut-être sortir un peu plus vite que prévu, hein. Même si je suis pas sûr que j'aurai le temps, mais je pense qu'elle sortira lundi. Parce que là, j'aurai sûrement pas le temps avant. Mais bon, écoutez. Puisque là, c'est la même phase, je vais pas vous montrer exactement la même chose, hein, quand même. On va juste le tuer, lui, et puis on va s'arrêter là-dessus. Oh, putain. Ça aura fait une vidéo assez courte, quand même, hein. Je m'attendais pas à vous faire une vidéo aussi courte, mais bon. C'est vrai que finalement, ouais, voilà, je veux pas vous refaire deux fois la même, ça sert à rien. Et comme ça, bon bah, ce sera un complément à la première vidéo que j'avais faite il y a quelques mois. Pour ceux qui veulent voir. Et puis bah, sinon, vous pouvez tester vous-même cette phase justement avec la démo sur le store. Si ça vous intéresse, éventuellement. C'est à vous de voir, écoutez. Ouais, c'est exactement cette phase. Bon bah, c'est dommage, je m'attendais à pouvoir vous montrer autre chose, mais en même temps je me disais bien que la démo ce serait le début du jeu quand même. Ça aurait été bizarre. Bon, comme ça vous avez pu voir un fail avec une mort à la con dès le début. Donc bah, on va s'arrêter là-dessus pour cette courte vidéo. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine et à dans quelques jours pour une autre vidéo qui sera plus longue. Sur un jeu qui a pas fait beaucoup parler de lui, donc on verra ce que ça donne. J'ai un petit peu peur, mais on verra bien. Merci à tous et à toutes.